Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va? Bien. Super. Alors, euh, j'aimerais rapidement rentrer dans le vif du sujet ce matin. Vous souvenez ce qu'on a vu hier? Que Dieu était un Dieu qui donnait, le Dieu de l'abondance, que son plus grand plaisir. C'était de nous donner. Et il y a aussi une chose qu'il aime nous donner. Une chose existentielle. C'est un but. Un but dans la vie. Nous courons tous après notre but, notre raison d'exister. Et ce matin, j'aimerais parler du but de la vie, le sens de la vie. Quelqu'un un jour a dit définissez ce qu'est votre but dans la vie et soyez prêts. À tout sacrifier pour y arriver. Si vous n'êtes pas prêt à faire ces sacrifices, continuez à chercher. Il semblerait que seuls les humains aient la capacité de vivre autre chose à laquelle ils étaient normalement prévus. Vous voyez bien, comme, comme moi ici à Gagnères, de nombreux arbres sont là et ils agissent comme des arbres. Il y a beaucoup de cailloux aussi ici et ces cailloux agissent comme des cailloux. Il y a même, même la rivière là qui est juste un petit peu plus bas. Cette eau, elle agit comme de l'eau. C'est ce qu'on attend d'elle. Mais il semblerait que l'humain, pourtant, qui fait partie de la création de Dieu, ne soit pas toujours aussi simple et docile, mais qu'il ait aussi la capacité même de pouvoir s'éloigner du projet prévu par Dieu lui-même. Et il va remplacer ce projet par d'autres choses ou quelqu'un d'autre. Et c'est alors que nous perdons... Et nous nous éloignons du but de notre existence. On l'a vu déjà quelquefois euh, euh, tous ces derniers jours que Dieu avait un projet, qu'il avait une stratégie, et il a un but aussi pour notre vie. J'aimerais lire un texte dans 1 Corinthiens 9, verset 24, il est dit, Au stade, tous les coureurs font la course, mais un seul... Un seul gagne le prix. Vous ne savez donc pas cela Alors, courez pour gagner le prix. Tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Même si on est content de voir le français champion du monde du 800 mètres. Vous n'avez pas vu ça, c'est normal, vous êtes bien trop spirituel. <laughs> Eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Nous, c'est pour une récompense qui dure. Amen. C'est pourquoi moi, je cours, dit Paul. Je cours, mais je ne cours pas au hasard. Je ne cours pas au hasard. Je suis comme un boxeur, mais je, donne, je ne donne pas de coups dans le vide. Je suis comme un boxeur, mais je ne donne pas de coups dans le vide. Chaque euh, période de Noël, avec euh, mes enfants et ma belle famille, donc mon, mes, mes beaux-frères, ma, ma femme, donc euh, ils sont six enfants, donc euh, six frères et sœurs, donc on, on se retrouve tous ensemble, et puis on a un petit peu une tradition. Il y a des bonnes traditions quand même, hein. Euh, on a une tradition, c'est d'aller à Europa Park. Vous vous attendiez à quelque chose de beaucoup plus spirituel, hein, je crois. Hein. On va à Europa Park pour faire plaisir à nos enfants. Et puis, euh, bah oui, c'est vrai. On, on essaye d'être des bons parents des fois, quand même. Et, euh, et on emmène euh, nos enfants à Europa Park. Et puis on est toute une tribu là, avec les poussettes. Et puis, euh, vous savez comme c'est quoi. Hein. Et puis là, euh, décembre dernier, donc décembre 2016, nous étions tous à Europa Park, nous avions passé une super journée. Et puis c'est la fin de journée, tout le monde est en train de sortir du parc. Et nous aussi, on est avec les poussettes. On arrive au parking, après avoir fait je ne sais pas combien de mètres, euh, centaines de mètres, on arrive à nos voitures. Et là, soudainement, je regarde mon beau-frère Jonathan et je dis, hey Joe, elle est où la poussette à Lisa Lisa, c'est ma petite dernière. Elle est où la poussette Elle me regarde. La poussette, à Lisa Je dis oui, je t'avais dit de garder la poussette quand je suis allé euh, parce que nous on fait les ménages, les, ménages, les manèges à la fin, <laughs> les manèges à la fin quand les enfants sont un peu fatigués, on en profite avant que le, le parc ferme. Alors euh, je dit écoute, garde la poussette là, moi je vais faire ce, ce manège et puis euh, il me dit écoute, je crois que j'ai oublié de reprendre la poussette. Je dis mais dans la poussette il y avait le sac à main, vous savez la poussette, le fourre-tout quand on s'en va. Les mamans, vous savez ça. Quand on ne sait pas mettre ou quelque chose, mais elle met sous la poussette, là, met là dessous. Puis à la fin, il y a tout un tas là. Euh. Et puis, je dis, mais il y, y a plein de trucs dans la poussette. Euh. Je dis, il faut qu'on y retourne, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et là, vous avez une marée humaine qui sort du, 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 du parc. Et vous, vous allez devoir vous frayer un chemin pour remonter à contre-courant, pour aller chercher cette poussette. Je dis, Dieu, on n'a pas le choix. Donc tout le monde est rentré, tout le monde est rentré à la maison, et nous, nous voilà, on est en train de remonter, remonter à contre-courant. Cette masse humaine, les gens nous regardent, qu'est-ce qu'ils font ces deux-là C'est fermé le parc, c'est fermé. Et nous, on est là, on avance, on avance, on, avance, on se fera un chemin, on essaye de trouver une voie. C'est vraiment des, des milliers de personnes qui sortent en même temps. Et puis on arrive, on arrive au, aux portes du parc, et là, forcément, forcément, il y a un Allemand. Qui est là. Je dis, monsieur, il faut qu'on rentre là. Il faut qu'on aille dans le parc. Mais il dit, c'est fermé le parc. Je fais, oui, mais j'ai oublié la poussette là-bas. Nein, ne rentre pas dans le parc, c'est fermé. Je dis, oui, mais j'ai la poussette là-bas. Nein. Bon, alors je me suis dit, je vais aller au bureau d'accueil, et je dis, madame, il faut absolument qu'on rentre dans ce parc, j'ai oublié la poussette de ma fille, la, la, la. Bon, ok, on y va. Et là, on re, on continue, on continue. On avance, on avance, on se fera un chemin, et là, on commence à avoir faim, on sent les bonnes parts de pizza qui sont là, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, Joe, on en prend une ville, fait, non, on a un objectif, c'est aller chercher cette poussette, et puis on avance, on avance, on avance, on avance, les bonnes saucisses qui sont sur le chemin. Qu'est-ce qu'on fait, Joe? Non, on avance, on avance, on avance, et on arrive! devant ce manège. Et devinez quoi? Devinez quoi? C'est bien, vous devenez tellement optimiste. Elle est là, elle est là, la poussette. La poussette est là. On a ressenti une joie immense de retrouver un bout de plastique, c'est incroyable. <laughs> une poussette. Joe, la poussette, elle est là. Tous ses efforts pour ça. Mais on y est arrivé pourquoi Parce qu'on avait un objectif. Retrouver cette poussette. Ce qui nous a donné de la force, du courage pour aller à contre-courant. Vous savez, il y a un proverbe qui dit qu'il n'y a que le poisson mort qui nage dans le sens du courant. Réfléchissez à ça. Il n'y a que le poisson mort qui nage dans le sens du courant. Mais nous avions un objectif, on n'était pas là pour le plaisir. Si on avait été là pour le plaisir, juste en balade, je crois qu'il n'y avait vraiment rien d'agréable dans cette balade. Les gens qui nous bousculent, on bouscule aussi un peu les gens, on essaye de se frayer un chemin, les gens nous regardent bizarrement, on est tenté à droite, tenté à gauche, on est pour aller chercher cet objectif qui est cette poussette. Et nous sommes rentrés fiers avec cette poussette à la maison. Et je dois vous dire une chose, on a pris vraiment, vraiment, vraiment notre temps pour rentrer. On s'est dit, ils vont rentrer avant nous, ils vont préparer le repas, comme ça on arrive, on met les pieds sous la table. Et c'est exactement ce qui s'est passé, on est arrivé, oh, c'était dur, hein, la poussette, on a pris le temps, on a mis le temps, mais pff, on est content d'arriver pour manger. Hein. Bref, on avait un objectif. C'est pourquoi Paul dit, je cours, les yeux fixés vers le but. Paul court, c'est bien, mais il court après quel but Quel est son objectif Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui pousse Paul à courir, à faire des efforts, à être fort et courageux comme on l'a vu Qu'est-ce qui le pousse Qu'est-ce qui le motive Il semble être déterminé, motivé, prêt à tout sacrifier pour cette motivation. Mais quelle est cette motivation Quel est son objectif mes amis, qu'est-ce qui vous fait courir aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous motive? Dans quoi suis-je engagé? Dans quelle course suis-je engagé? Prendre des risques, tel un boxeur sur le ring. Oui, mais pourquoi? J'ai fait un peu de boxe dans ma vie. Oui, c'est vrai. J'ai fait un peu de boxe. Et vous savez, quand vous êtes sur le ring, vous êtes dans ce carré fermé, et puis que vous entendez ting, la cloche qui sonne, et puis là, vous vous retrouvez face à quelqu'un. Et il y a une règle d'or à la boxe. C'est si tu perds de, 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 la, de vue ta cible, tu es mort. Si tu ne regardes pas droit dans les yeux ton adversaire, c'est sûr que tu perds ton combat. Et là, on regarde la cible. On regarde comment elle anticipe, comment elle, comment elle gère son pas, comment elle se déplace, pour qu'à un moment donné, je ne frappe pas au hasard, mais je puisse déclencher un mouvement qui va me permettre, si possible, d'atteindre ma cible. Et là, Paul, il dit, il est comme un boxeur, mais qui ne frappe pas au hasard. Pourquoi Parce qu'il a une cible devant ses yeux. Il sait ce qu'il veut atteindre. Il est déterminé. Il est motivé. Philippiens 3, verset 8, il est dit la chose suivante. Paul parle et il dit connaître, connaître le Christ Jésus mon Seigneur, voilà le plus important. Connaître le Christ, Jésus mon Sauveur, mon Seigneur, voilà le plus important. Et il dit ensuite à mon avis, tout ce qu'on gagne, ce n'est rien à côté, ce n'est rien, rien à côté de cette connaissance. Pour lui, j'ai absolument tout abandonné. Pour gagner le Christ et pour être uni à lui, je considère toutes ces choses-là comme des ordures. Comme des ordures. Comme des ordures. Vous étiez peut-être là au début du camp et euh, les poubelles ont mis un petit temps quand même à arriver. Vous avez vu ça Moi, je les ai vues. J'ai surtout senti. Et c'est un tas de, de poubelles, d'ordures, un tas qui commence à grossir et puis, euh, puis c'est pas agréable. Quoi. Parce que, pourquoi Parce que les ordures ne sont pas faites pour rester dans la maison. Ces ordures sont faites pour être évacuées on enlève les ordures. On ne les garde pas. Et Paul dit, tout ce qui m'empêche de connaître Christ, tout ce qui me freine à connaître Christ, je le considère, je choisis de considérer ces choses-là comme des ordures. Ça pollue ma relation avec Christ, ça pollue mon intimité avec Christ, ça pollue ma, ma possibilité de m'approcher et de connaître mon Seigneur et mon Sauveur. Et ça, je le considère comme des ordures. Donc, je les enlève de ma vie, je me sépare de ces choses. La seule chose que je veux, il dira, c'est connaître le Christ et connaître la puissance qu'il a fait se lever de la mort. La seule chose, l'unique chose après, après laquelle je cours, c'est connaître ce Jésus et connaître sa puissance qu'il a fait se lever de la mort. Ce que je veux, il dira même, c'est souffrir avec lui et lui ressembler dans sa mort. Ainsi, j'espère que je pourrai moi aussi me lever de la mort. Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix, parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix, mais j'oublie la route qui est derrière moi, je suis tendu en avant et je fais la seule chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par le Christ Jésus. Paul a choisi de vivre pour un seul objectif, connaître Christ. J'aimerais nous dire une chose ce matin, nous ne pouvons pas courir plusieurs objectifs à la fois. Nous ne pouvons pas avoir plusieurs buts. La Bible dit même, nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Nous devons choisir dans quelle course nous nous plaçons. Paul a choisi. Paul a choisi la course après la présence de Jésus-Christ. Vivre pour la connaissance de Jésus-Christ. Parce qu'il avait compris que s'il connaissait Christ, que... Parce qu'il avait compris que Christ connaissait le projet qu'il avait pour lui. Donc en connaissant Christ, il allait connaître le réel projet qu'il avait pour lui. Donc il allait entrer dans sa destinée. Mes amis, c'est en connaissant Christ que vous allez découvrir qui vous êtes vraiment et à quoi vous êtes réellement appelés. Vous ne pourrez jamais connaître le plan parfait de Dieu sans passer par connaître Jésus-Christ. C'est la connaissance de Christ que vous avez personnellement qui définira la mesure dans laquelle vous entrerez dans le plan que Dieu a prévu pour vous. C'est pour ça que Paul a dit, je veux connaître Christ parce que c'est de lui que vient toute chose. C'est lui qui dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi il peut dire ça Parce qu'il a vu la révélation de qui était Jésus-Christ. Il savait qui était Jésus. Luc 16, 13, aucun serviteur ne peut servir de maître. Ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Quel est notre maître Quel est notre objectif À qui sommes-nous fidèles ce matin Nous ne pouvons pas espérer gagner le prix si nous ne courons pas dans la bonne course, les amis. Dans quelle course es-tu engagé Course à connaître Christ ou course à autre chose, toute autre chose toutes les autres choses Paul les voyait comme des ordures comme des choses qui ne devaient en aucun cas résider en lui et dans sa maison spirituelle Il dit je les enlève de chez moi. Course à la réussite professionnelle. Course à la reconnaissance. Course à la renommée. Course à la popularité. Mais nous, fils et filles du Dieu vivant, croyant que Christ a un projet pour nous, un objectif, nous pouvons espérer connaître Christ chaque jour un peu plus. Nous pouvons choisir chaque jour de lui faire confiance pour conduire notre vie. Nous pouvons choisir de l'honorer et de le louer pour qui il est. Nous pouvons être déterminés à vivre ses promesses. Nous pouvons être assurés de sa fidélité à chaque instant. Nous pouvons être convaincus que Son Esprit Saint nous conduit toujours, toujours, toujours au bon endroit. Et il vous a conduit ici à Gagnères, au bon endroit pour vous. Vous auriez pu dire Amen à cela. Est-ce que vous êtes convaincu que vous êtes au bon endroit? J'ai une question pour vous, j'aime bien poser cette question. Est-ce que vous pensez? que l'église dans laquelle vous êtes, c'est la meilleure église. Il y a des noms. Vos pasteurs ne sont pas là. Allez, 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 lâchez-vous. Lâchez-vous, purée. Oui ou non Oh Qui dit non Seigneur Jésus. Qui dit oui? C'est Il y en a plein qui n'osent pas. Ils sont là, ils font comme ça à chaque fois. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mon ami, il faut que tu sois assuré que l'église dans laquelle tu es, c'est la meilleure. Pourquoi? Pourquoi? Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure du monde, mais c'est la meilleure pour toi. C'est celle dans laquelle Dieu a choisi de te placer. C'est celle qui va te faire grandir et c'est celle que tu dois servir. Il t'a mis là pour un objectif. Il t'a fait mettre dans ce corps avec d'autres frères et sœurs pour un objectif. Tu dois être convaincu de là où tu es. C'est la meilleure place. C'est le meilleur endroit pour moi. Parce que si tu n'en es pas convaincu, je veux te dire, tu vas devenir une plaie pour les gens qui sont autour de toi. Tu vas être le premier à critiquer, tu vas être le premier à râler, tu vas être le premier à te plaindre. Alors que quand tu sais que là où tu es, c'est là où Dieu t'a placé et c'est là où Dieu te veut, tu vas être de celui qui va donner de l'énergie, qui va donner de la foi, qui va donner de l'enthousiasme, qui va donner de la passion parce que tu es convaincu que c'est l'esprit qui t'a conduit ici. Et cela fait toute la différence. Et c'est là que le visage de nos églises change. Alors soyez convaincu que là où vous êtes, vous êtes au bon endroit. C'est là où Dieu vous veut. Donc, c'est le meilleur endroit pour vous. C'est comme quand on vous dit. Non, je ne peux pas aller sur ce terrain-là. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Ah, vous êtes, vous êtes malin, vous. Entre mari et femme. Vous savez que la personne que Dieu vous a mis à côté, c'est la meilleure pour vous. Oui ou non Je m'arrête là. Je ne peux pas aller plus loin. Je peux aller plus loin. Ok. Nous pouvons être aussi assurés que jamais Il ne nous abandonnera. Nous pouvons prendre les bons risques, les bons risques pour, les connaître, pour le connaître, pardon. Ne cherchons pas à obtenir une médaille qui ternira avec le temps, mais courons uniquement pour ce qui est éternel, ce qui est juste, parfait, celui qui est digne. Ne vivons pas cette aventure chrétienne à l'aveugle. Mais revenons dans cette course à un objectif premier qui est de connaître Christ. Arrêtons de brasser de l'air, mais revenons à l'essentiel connaître Christ et sa puissance. Connaître Christ et sa puissance. Arrêtons de gesticuler dans tous les sens, de mettre des coups dans le vide, juste de brasser de l'air pour rien. Nous allons nous épuiser. Mais assurons-nous d'être dans la bonne course. Connaître Christ, connaître Christ, suivre Christ, vivre Christ, connaître la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ. Voilà ma raison d'exister. Paul ne cherche pas le spectaculaire, il ne cherche pas à plaire, il ne cherche pas l'approbation humaine, il ne cherche pas la reconnaissance humaine, il ne cherche pas la gloire humaine, mais il cherche à connaître Christ. C'est son seul objectif, connaître Christ. Souvenez-vous de David, David qui était dans les champs, David qui avait été un peu refoulé de sa famille, ce petit rouquin qui se retrouve dans les champs avec ses quelques brebis, ses moutons, et puis qui chante à l'éternel. Il chante à l'éternel, il est dans l'intimité avec Dieu. Ce qu'il ne sait pas, comme on l'a vu, souvenez-vous, il était en train de préparer le terrain d'avance. Il allait être roi, mais il ne le savait pas. Mais il est en train de chanter ses louanges, en train de, de rentrer dans cette intimité avec Dieu. Il est en train de préparer son avenir ici, dans le lieu secret. Là où les seuls applaudissements qu'il avait, c'était... Il n'y avait personne pour dire, David, c'est génial ce que tu fais. David, c'est incroyable. Oh, l'accord, la suite, d'accord, là, que tu viens de faire cette mélodie qui va et qui vient. Oh, Oh là, là, ça m'a pris dans mes émotions, dans mes entrailles. Oh, c'était un Non, Il n'y avait personne pour dire ça. Et cependant, il est devenu ce roi, l'homme selon le cœur de Dieu. Il passait ce temps à connaître Christ. Connaître Christ pour seul objectif est une marque d'humilité. Paul, Marc, émet un standard ici. Il reconnaît être un apprenti qui a besoin de son maître. Un apprenti qui a besoin de son maître. Est-ce que j'aime dans ce texte-là, c'est qu'il n'a pas eu besoin de, de, de paroles prophétiques, il n'a pas eu besoin de gens qui ont besoin de dire Paul, il faut que tu suives Christ. Il n'a pas eu besoin d'une révélation extraordinaire par un ange qui a lit. à part, bon sa conversion d'accord, ok elle est pas mal quand même, j'avoue, elle est quand même pas mal. Mais ensuite, il n'a pas eu besoin, il, il a choisi. Il a choisi et nous n'avons pas besoin de signes, j'aimerais vous le dire, vous n'avez pas besoin d'un signe extraordinaire, vous avez juste besoin de vous mettre dans la bonne course et chaque matin, chaque jour, de courir à la connaissance de Christ, pour suivre Dieu. Nous n'avons pas besoin de confirmation pour être au service du Maître. C'est juste, écoutez bien, c'est juste la continuité de notre passion. Et cela soulève peut-être le point ce matin où on est tu avec la passion de Christ. Pas la passion de l'Église, la passion de Christ, la passion du Christ. Où est-ce que Christ en est dans ta propre vie? La passion de le connaître, où en est-elle? Est Et j'aimerais proclamer ce matin qu'il y aura toujours, toujours un chemin tracé pour le passionné de Jésus. Il y aura toujours un chemin tracé. Je crois que profondément, du plus profond de mon être, s'il y avait plus de passionnés de Jésus, et plus de gens déterminés à le connaître, il y aurait beaucoup moins de frustration et beaucoup plus de vocation dans l'Église. Beaucoup moins de frustration et beaucoup plus de vocation. Pourquoi Parce que quand tu cherches Christ, tu trouves le chemin et la destinée à laquelle tu es appelé. Mais quand tu cherches autre chose, tu te frustres, tu es frustré, tu regardes les autres, tu envies les autres, tu jalouses les autres, tu dis, mais moi j'aimerais tellement faire ci, et moi j'aimerais tellement faire ça j'aimerais tellement être comme lui, j'aimerais tellement être comme elle, et pourquoi c'est lui et pourquoi c'est pas moi, et pourquoi ci si et pourquoi ça, alors que si tu cherchais à connaître Christ, tu trouverais ce qu'on appelle cette zone de grâce dans laquelle, tu, que, Dieu, que Dieu a lui-même dessiné, dans laquelle tu pourrais t'épanouir et commencer vraiment à être qui tu es, et à voir Christ se manifester dans cette zone, et vivre l'extraordinaire, mais en cherchant Christ premièrement, chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toute chose, Vous seront donnés par-dessus. Cherchez d'abord, premièrement, prenons tous les risques pour connaître Dieu. Paul a tout abandonné. Quand notre objectif est de connaître Christ, alors c'est à ce moment-là que nous considérons que les expériences que nous vivons, les meilleures comme les plus difficiles, les moments favorables ou défavorables de notre vie servent à nous rapprocher de Lui et le connaître davantage. Nous voyons les épreuves d'une autre manière. Quand l'épreuve vient, c'est l'occasion de me rapprocher un peu plus de Toi, Seigneur. Ce n'est pas dire Oh, le, le diable m'attaque. Ouh là, là 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 là, je suis attaqué. Non, c'est juste l'occasion de t'approcher un peu plus de Jésus de connaître Jésus, de voir Dieu agir d'une nouvelle manière. Vous savez, si vous voulez changer de vie, il va falloir changer votre méthode de vie. Vous ne pourrez pas atteindre de nouveaux objectifs en gardant la même manière de vivre. Cela est impossible. Ma question, êtes-vous prêt au changement? Êtes-vous prêt à vous laisser bousculer? Êtes-vous prêt peut-être vous remettre en question ce matin? Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste, je m'en occuperai, a dit le Seigneur, tout le reste. Quand il dit tout le reste, je sais ce qu'il dit. Il dit tout le reste, absolument tout le reste. Tout le reste. Chercher à connaître est un véritable signe d'humilité. Quand on ne cherche plus, écoutez, quand vous ne cherchez plus Dieu, c'est que Dieu a été remplacé. que Dieu a été remplacé. Mais chercher Dieu est un signe d'humilité. Et l'humilité, il nous est dit, précède la, la gloire. Dans les temps où les générations, je crois, sont en perte de repères, il nous faut absolument, nous tous ici, briller de notre passion pour Jésus pour que le monde découvre sa puissance. C'est la passion du Christ qui a changé le monde, rien d'autre. Et c'est notre passion pour le Christ qui changera notre vie et ensuite celle des autres. C'est la passion du Christ, cet amour, cette passion pour Dieu son Père et pour nous qui a changé l'humanité. Et à notre tour, Christ en nous, donc la passion du Christ en nous, changera premièrement notre vie et ensuite celle des autres. Mon objectif, dit Paul, servir Christ. Servir Christ, cela veut pas dire devenir pasteur, leader, leader. Mot qui est apparu il y a quelques années, devenu à la mode ces derniers temps. Moi, quand je me suis converti, ce mot n'existait pas dans mon jargon. Aujourd'hui, il y a des leaders de ci, des leaders de ça, des leaders de machin, des leaders. Et comme si en fait leader devenait un objectif, je veux être un leader. Notre objectif n'est pas de devenir leader, pasteur, mais je crois que notre objectif doit être de devenir des chauffeurs, des livreurs. Des vendeurs, des footballeurs, des imprimeurs et tous les heures que vous voulez, mais avec la passion de Christ, avec la passion de le connaître, avec pour seul objectif de le connaître. Mon objectif, ce n'est pas de devenir pasteur. Mon objectif, ce n'est pas de devenir le meilleur prédicateur. Mon objectif, c'est de devenir l'ami de Christ, de connaître Christ. Et je sais que quand je viens dans sa présence, il me change, il me transforme. Quand je m'humilie devant lui, il investit dans mon cœur et dans ma vie. Et c'est là que ce n'est plus moi, en tout cas j'espère faire en sorte que ce soit le moins moi qui parle et le plus de Jésus qui s'exprime. Parce que c'est lui qui change tout. Plus tu le connais, plus tu sers le Christ. Le servir, on l'a vu, c'est lui faciliter la tâche. Chaque moment que tu passes avec lui seul à seul, tu sers le Christ car tu lui facilites l'accès à ta vie. Chaque moment dans l'intimité, tu lui facilites le job parce que c'est un moment où il peut investir en toi, il peut prendre place. C'est là les vrais serviteurs, les vrais adorateurs que Jésus cherche. Ces adorateurs en esprit et en vérité, ceux qui vivent la vie de l'Esprit Saint et qui marchent dans la vérité, ceux qui courent dans la bonne course, ceux qui ne brassent pas de l'air, mais ceux qui ont un véritable objectif. De la même manière, je crois que personne ne peut être sauvé sans connaître le nom de Jésus. Personne ne peut être utilisé de la bonne manière sans connaître la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Paul a dit, je cours pour connaître la puissance de Jésus. L'objectif de Paul était de le connaître. Connaître celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. C'est lui notre objectif, connaître ce Jésus-Christ. Ne cherchons pas à devenir grands en utilisant le nom de Dieu, mais cherchons à connaître le Grand Dieu, et il saura nous utiliser comme lui le veut. Cherchons à le connaître. Watchman dira il n'y a pas de place pour la gloire humaine dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de place pour la gloire humaine dans l'œuvre de Dieu. Mes amis, quel est votre objectif de vie Quel est votre objectif Réussir professionnellement Vous les jeunes, réussir dans vos études votre objectif en venant à gagner, c'est quoi? trouver quelqu'un. Quel, nos... quel est notre objectif? je crois que si nous apprenons à discipliner nos vies, et mon objectif, c'est connaître christ. nous verrons. vous verrez. Ce que Dieu est capable de faire, comme il dit dans Éphésiens 3:20, il fera au-delà de votre pensée et de votre imagination. Mais c'est ceux qui cherchent à le connaître, qui peuvent vivre ces choses-là. Christ, en toi, l'espoir de gloire. Ne perds pas de vue cet objectif. Vois, comme Paul, tout ce qui est autour. Comme non, 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 non. non je fais fausse route, là je suis en train de m'épuiser à vouloir faire quelque chose, à vouloir. Mais c'est tellement plus simple de pouvoir lui faire confiance, de apprendre à nous déposer, à déposer nos fardeaux, déposer tout ce que nous avons au pied du Seigneur. Ça, ça c'est à toi. Ça, c'est à toi. Moi, mon seul objectif, c'est de te connaître, de m'approcher de toi, connaître ta présence, vivre dans ta présence. Et je sais que tout le reste, tu t'en occupes. C'est ça la pensée du royaume. Vivre pour le royaume de Dieu, c'est cela. C'est vivre pour connaître Christ. Et je crois que Christ est suffisamment grand et Dieu est suffisamment grand pour s'occuper de chacun d'entre nous. Et nos besoins, il est suffisamment grand pour, les, pour, les, pour y répondre, pour nous donner tout ce dont nous avons besoin financièrement, émotionnellement, familialement. Dieu est suffisamment grand pour s'occuper de chacun de nos besoins. Mais ce qu'il nous demande, et ce qu'il nous invite, c'est qu'il nous attire à lui. Viens dans ma présence. Viens dans ma présence. Je veux te connaître. Je veux être ton ami. C'est ça l'objectif de Dieu a été de réconcilier l'homme avec son Créateur. Il y a de cela quelques années, j'ai rencontré un homme pour la première fois qui s'appelait Bob Sorge. Quelqu'un connaît Bob Sorge ici Quelques-uns le connaissent. Son histoire m'a bouleversé. C'était un homme influent aux États-Unis, il l'est toujours. Un auteur-compositeur, un ministre du Seigneur dans le chant, l'adoration. Et suite à une opération un jour au niveau des cordes vocales, par une erreur, les chirurgiens vont lui couper les cordes vocales. Je vous assure, quand il est monté sur scène raconter cela, vous savez, il était équipé, il avait des oreillettes. Il a, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait pour prêcher Pourquoi il a tout ça Pourquoi Et quand il a commencé à parler, il parlait comme ça. Bonjour à tous. Alors tout le monde écoutait. Puis il a commencé à raconter cette histoire. On était déjà tous avec nos mouchoirs comme ça. Quelle histoire Puis là, il, il nous dit, quand il s'est réveillé, forcément, il a découvert que c'était fini, irréparable. Et là, il a dit, Seigneur, pourquoi Pourquoi Et Seigneur lui a donné cette image. Il a dit, Bob, est-ce que tu aimes aller à la station-service, Bob Et Bob a dit, non, mais moi, à la station-service, non, j'aime pas aller à la station-service. Il faut mettre de l'essence. L'essence, ça sent pas vraiment bon. On en a sur les mains parfois. Et il suffit qu'il pleuve, c'est désagréable. En plus, il faut payer. Non, il n'y a vraiment rien d'agréable à la station-service. Le Seigneur va lui dire, tu vois, Bob, j'ai été ta station-service toutes ces années. Tu savais que tu devais venir pour que je mette de l'essence. Mais tu ne t'es jamais arrêté pour prendre du temps avec moi. Tu savais que tu devais le faire pour poursuivre tes affaires, tes objectifs. Mais ton objectif n'était pas de me connaître. On a commencé à, à disparaître sous nos chaises. C'est là qu'il nous a dit qu'il est rentré dans une nouvelle dimension de l'intimité avec Dieu. Je veux bien le croire. Et je me souviendrai toujours de ce message, être un ami de Dieu. Dieu cherche des amis. Dieu cherche des amis. Alors je prie, Seigneur, ne m'enlève pas mes cordes vocales. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît. Mais s'il y a du ménage à faire, ce matin dans nos vies, il faut le faire, le ménage. Ne laissons pas des situations pourrir, pourrir, au point où c'est tout le corps, toute votre vie qui sera infectée parce que vous aurez choisi de laisser. Ne laissez pas une poubelle, un vieux sac, une vieille couche qui traîne quelque part. Vous connaissez hein, les parents, quand on laisse ça, au bout de trois jours, on dit Mais, mais qu'est-ce qui se passe ici, là et là, soudainement, vous, vous trouvez sous la table allongée votre mari qui a mis la couche comme ça pour. Euh... Et ça empeste la maison. Toute la maison et tout le monde est contaminé. Mes amis, ne laissez pas ces ordures-là. Éliminez tout ça. Votre seul objectif, c'est connaître Christ. Et de Christ découlera tout ce dont vous avez besoin découlera votre réelle identité votre réelle personnalité, votre réelle, obje, votre réelle destinée. C'est en Christ que, et de Christ que vient tout, toute chose. Jésus cherche des amis ce matin. Paul a dit, mon seul objectif, c'est de le connaître. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Merci pour la patience de Guy et Jean-Paul à mon égard. Seigneur, merci. Parce qu'une fois de plus ce matin, tu nous encourages à revenir vers toi et à ne pas nous éloigner, à nous égarer sur d'autres objectifs et d'autres terrains. Mais nous voulons te connaître, Jésus.